Bienvenue à l'apéro d'Adviso où on reçoit des personnalités d'affaires pour discuter, avoir des discussions stimulantes sur le monde de la business, du web, du numérique, du marketing. Puis aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec nous une personne que j'aime depuis vraiment longtemps, qui m'inspire beaucoup comme gestionnaire, comme cliente aussi, il faut le dire, il faut être transparent. Valérie Védrine, bonjour Valérie. Salut Jean-François, salut tout le monde. Donc, Valérie est vice-présidente chez Reitmans et chez la marque Reitmans. Donc, c'est des clients qui sont chez nous depuis très longtemps, puis on adore ces clients-là. Puis on adore Valérie aussi, on se connaît depuis, on avait travaillé ensemble dans le temps chez Jacob, je pense. Ouais, à l'époque, tu t'impliquais là, dans tes projets. Ah, oh, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Tu sais, nous autres, on n'a plus le droit d'être nulle part. Hein? Les dirigeants comme ça, des fondateurs de PME comme ça, là, c'est comme on en fait soit trop, soit pas assez. C'est très dur de trouver le bon niveau. Mais une chose est sûre, c'est que le bon niveau, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec toi parce qu'on a gagné un prix ensemble. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire ça ensemble. Puis, on commence toujours par la partie apéro et boisson de notre réunion parce que c'est important là, quand même. Là. C'est un apéro après tout, donc... Fait que je tiens à dire, on a gagné un prix, puis on va en parler tantôt. On a gagné un prix IDEA ensemble au dernier, justement, concours IDEA. Et pour cette raison, aujourd'hui, on fait un spécial. Donc, on a un produit qui n'est pas local du tout. Donc, on a un produit qui vient de la France et que de la France, qui s'appelle du champagne. Parce qu'on va, c'est ça, on veut célébrer un petit peu ensemble. Donc, moi, je vais popper mon champagne. Donc, attends un petit peu. Donc, et ça, je me trouve au très bon niveau en ce moment, là, par contre. Là. C'est whoop. Wow. Donc, ça, je suis au bon niveau en ce moment. Ça, c'est un niveau qui me convient très, très bien, notre boire du champagne avec toi, Valérie, dans le cadre de notre apéro. merci. Santé. Félicitations à toi aussi. En fait, mon équipe me trouve vraiment... Ils disent que j'ai absolument rien fait dans ce prix-là et ils ont 100% raison. Donc, ils sont encore plus jaloux. Qu'on boive du champagne en ce moment. Donc, en tout cas. Ben, Valérie, écoute, en plus, bon, tu étais vice-présidente chez Jacob. C'est là qu'on s'est connus pour la première fois. Après ça, tu es allée chez SmartSet, je pense. Oui, dans la famille Reitmans. Ouais. Qui était une des marques de la famille Reitmans. Ouais. Après ça, tu es allée chez Aldo. Toujours vice-présidente marketing. Ça, c'est un peu comme ton rôle classique, là, si on veut. Ouais. Et tu es revenue chez Reitmans. Puis ça, c'est une des choses que je vais essayer de comprendre aujourd'hui. Quand quelqu'un fait un retour comme ça, pour moi, c'est extrêmement significatif. Donc, j'ai bien hâte que tu nous expliques ça. Puis, mais je dois dire que j'ai découvert sur ton profil YouTube, parce que tu as un profil YouTube, j'ai découvert qu'on a été dans les mêmes rave parties en 2002. Il y en a un en particulier, The Arrival. Et tu étais DJ. Moi, j'étais dans la salle et je dansais. Puis toi, tu étais la DJ dehors dans le champ de patates à Mirabel. Et c'est là qu'on s'est connus dans le fond. C'est juste que peut-être qu'on ne s'en souvient plus. Mais ce qu'on se souvient, c'est Jacob. C'est ça, exact. Donc, voilà. Ben écoute, écoutez, Valérie, je vous avertis, ceux qui ne connaissent pas Valérie, vous risquez d'avoir un coup de foudre professionnel aujourd'hui. Je fais juste vous avertir parce que ça frappe. Donc, DJ, VP, maman et yogi aussi. Hein? Prof de yoga récente. Prof de yoga. Mais quand même, je trouve ça quand même assez excitant comme profil. Donc, en tout cas, très, très honoré d'être avec toi, Valérie. Puis aujourd'hui, on veut parler de marque, hein, parce que c'est ça, finalement, ton rôle, là, tu sais, c'est de faire vivre une marque. Ouais. Puis, je vais t'avouer que j'avais une petite... Tu sais, j'étais vraiment content de t'avoir, mais j'étais aussi content d'avoir Reitmans, parce que pour moi, Reitmans, c'est une marque qui... Et peut-être... Là, c'est moi qui parle, OK? C'est pas... Je me base pas sur des chiffres ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est une marque, parfois, qui est sous-estimée un petit peu. C'est une marque qui existe depuis 1926. C'est une marque qui est faite par des fiers entrepreneurs montréalais qui a passé à travers plus d'une tempête et qui, des fois, on peut percevoir à cause de tout ce qui s'est passé, de la COVID, du deal avec les créanciers, tout ça, on peut penser que c'est une marque qui va pas bien, mais c'est une marque qui, quand même, est très, très forte. Puis c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, des valeurs de cette marque-là. Qu'est-ce qui fait que cette marque-là est capable de passer à travers les tempêtes? C'est quoi finalement la gestion de marque moderne? C'est ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Oui. Bien écoute, je suis ravie d'être là. Puis je suis vraiment ravie de pouvoir parler de Reitmans. Tu l'as dit tantôt, tu sais, je suis partie, je suis revenue.
Puis ça, c'est parce que j'ai vraiment un profond attachement à l'entreprise. T'sais, avant la marque, là, c'est ça. Puis tu sais, je suis maintenant assez vieille pour savoir que c'est important de travailler dans une organisation où tu sens que les valeurs te rejoignent et où les gens qui sont autour de toi ont les mêmes valeurs. Et c'est tellement important. Et pas que j'étais malheureuse chez Aldo, mais j'ai comme une espèce de coup de cœur personnel pour Wakeman. C'est quand j'étais chez Smartset, j'étais très heureuse. Évidemment, Smartset n'existe plus. On a eu des difficultés en termes de business. Le positionnement était compliqué. On était face à toutes sortes de nouvelles arrivants, les fast fashion à ce moment-là, etc., qui sont peut-être de moins en moins présents à ce moment-là. Et quand on a dû fermer la compagnie, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens d'Aldo. J'ai eu l'opportunité. Donc, c'était un bon moment. Mais et je te jure que c'est vrai, ma dernière journée, je suis allée voir M. Wakeman pour lui dire merci. Puis, je lui ai dit, on va se revoir, je vais revenir. Et quand Wakeman a eu l'ouverture avec le poste de VP marketing, puis ils sont venus me cogner à la porte, j'étais quand même, OK, parfait, je le savais, je suis allée voir M. Wakeman, j'ai dit, je vous l'avais dit. Il y a quelque chose de très accueillant, de familial, mais pas étouffant, de très divers aussi. Il y a vraiment une culture de grande diversité, les gens représentent toutes sortes d'origines, d'âges. Ça crée ça, quelque chose de vraiment spécifique que des fois, dans certaines marques du commerce de détail, les employés peuvent être un petit peu sous un format. Tout ça, je le vis pas chez Wakeman. Tout ça, ça apporte une profonde humanité, vraiment des valeurs qui viennent me chercher. Fait que je suis très, très en amour avec cette compagnie-là, moi. Mais je pense que quand on re-choisit une entreprise, au début, on l'a choisi pour son aura, on l'a choisi pour peut-être le titre, on l'a choisi pour toutes sortes de raisons. Mais quand on re-choisit pour les valeurs, non? On re-choisit pour les choses plus profondes. Oui, puis pour les gens, et puis pour profondément, c'est ça, les valeurs. Puis on a besoin de... je sais pas, j'ai besoin tous les matins de me lever et de savoir que je participe à quelque chose qui est plus grand que moi. Ça fait aussi partie de ça, mais que je vais pas être dans des situations qui vont me mettre moi... qui vont mettre en porte-à-faux en termes de valeur. Fait que c'est important. Oui, je suis contente qu'on puisse en parler de cette compagnie-là. T'as raison. J'ai toujours trouvé que c'était que c'était sous-estimé comme marque parce que finalement, c'est une marque qui a passé à travers les tempêtes. Puis les gens, on dirait, se rappellent beaucoup des choses négatives. T'sais, ils se rappellent que Smartset a disparu. Mais c'est pas ça, justement, un peu du courage de faire ces décisions-là difficiles qui font que tu es capable, après ça, d'avoir une business qui est saine, qui est capable de passer à travers des tempêtes. Oui, absolument. Puis tu sais, là, on en vit une autre. Hein. On vit, tu sais, la pandémie. On est dans le CCAA. On a pris des décisions qui ont été difficiles pour l'organisation, très déchirantes d'un point de vue humain, etc. Et beaucoup de décisions difficiles, mais avec toujours l'objectif, tu sais, de servir au mieux nos clients. Puis tu sais, une chose. Le CCAA pour ceux qui, c'est les arrangements avec les créditeurs, les créanciers. Là. Excuse-moi, ouais. Valérie. Non, t'as raison. Tu sais, Wakeman, la marque, là, on l'oublie, là, mais on sert 6 millions de clients par année. Ça veut dire un tiers des femmes canadiennes de 18 ans et plus, soit viennent dans nos magasins, soit viennent sur notre site. Ils interagissent avec la marque directement, là. Le tiers des femmes canadiennes de 18 ans et plus. Wow. C'est colossal. 15% des femmes canadiennes de 18 ans et plus reçoivent un demi-email par semaine. C'est incroyable. Fou. Et malgré tout, effectivement, je pense que, tu sais, on est quand même le détaillant numéro un spécialisé au Canada. Mais tu as raison, on est tellement dans le... Et les gens ne savent même pas, généralement, qu'on est Canadien. Les gens ne savent même pas qu'on est de Montréal. Tu sais, quand il y a eu toute cette question, OK, il faut consommer local, il faut... c'est clair que les gens pensent pas à Wakeman's, mais nous... Parce que c'est un achat local, Wakeman's, là. Mais d'une certaine façon, tout est designé, acheté, marketé, tout est fait ici. Il y a combien d'employés au siège social ici à Montréal? Ah, j'aurais peur de te dire une bêtise, mais on doit être proche de 1000 à peu près, probablement. 1000 personnes. Puis je pense qu'aux dernières nouvelles, là, bon, évidemment, il y avait. Je pense qu'en tout cas, avant les changements de la COVID, il y avait au moins. Il y avait plus de 600 magasins, si je ne me trompe pas, au total dans toutes les marques. Écoute, là, tu me prends, là. Désolé. Non, mais là, j'avoue, ça a changé puis tout récemment. En tout cas, regarde, il y a Fauve Doucet qui te dit bonjour, Valérie. Puis je suis sûr qu'elle s'est déjà acheté du Wakeman's, Fauve. Je suis certain. Oui. Hein, Fauve? À vous. À vous que t'en as acheté.
Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils en achètent justement parce que... non, je pense, Jean-Julien nous demande si la fabrication est locale aussi. Je pense pas, non. Je pense que c'est plus comme conçu, designé, pensé, non, marketé. Ça, c'est compliqué parce que... et je veux pas m'en aller, tu sais, c'est pas tellement mon champ d'expertise, mais je sais qu'à un moment donné, on a regardé ça, mais c'est des corps de métier qui existent tellement plus à Montréal que malheureusement, c'est complexe. Il faudrait quasiment rebâtir avec notre niveau de volume, quasiment rebâtir une industrie. Je dis pas que ça vaudrait pas la peine, mais c'est tout un autre... C'est un combat que c'est pas juste à une entreprise de mener, mais c'est plus à des organismes, un peu comme, par exemple, Montréal International ou des entreprises qui vont... ou des organismes qui vont faire comme ce qui a été fait pour l'intelligence artificielle à Montréal. Donc, ça prend tout un écosystème, hein? Oui, mais tu sais, c'est merveilleux quand même. À Montréal, on a vraiment beaucoup de détaillants. Tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment extraordinaire quand tu penses. Il y a quand même, tu sais, il y a Dynamite qui est là, bon, il y a Aldo qui est là. Il y a beaucoup, là, je pourrais en nommer d'État. Je veux pas me faire d'ennemis, là, j'arrête là pour pas en oublier, mais il y a vraiment un savoir-faire. Il y a beaucoup de designers qui sont ici, d'acheteurs qui sont ici, des gens de product and allocation. C'est vraiment des métiers qui existent et qui sont forts à Montréal. C'est comme si on oublie, puis j'ai lu un article intéressant du château, puis il disait, tu sais, même des fois, on aimerait que la presse nous aime un peu plus, tu sais, parce que y a quand même un vrai métier, là, ici, à Montréal. Ben, puis c'est pour ça, puis tu vois, il y a une dame qui s'appelle Aurore Colliot qui dit, comment vivez-vous la pression médiatique, justement, face à la nouvelle protection des créanciers? Ben c'est ça, tu sais, c'est comment... Ouais, je serais curieux de... C'est un peu là que tu t'en allais. Ben, en fait... pour être transparent, on n'a pas tellement. Je peux pas dire, il faut que je sois honnête, je peux pas dire que je sens qu'on a une pression médiatique particulière. Est-ce que je sens qu'on a un support plus grand? Non, ça, je pense pas. Puis tu sais, c'est très complexe. On essaie de faire parler de nous, mais des fois, quand on a des bonnes nouvelles, tu sais, je me rappelle quand je fais mes campagnes de diversité ou quand on essaie d'envoyer de l'amour, tu sais, dans le marché, puis on dit voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait. Ben, c'est moins intéressant pour les médias que quand on tombe sur le CCAA, tu sais. Mais je peux pas leur en vouloir, c'est un autre métier, puis ils ont sûrement leur raison pour le faire. Mais c'est sûr que... Mais j'ai pas de pression négative venant des médias. En tout cas, je le sens pas actuellement. OK. Ben, en tout cas, moi, je tiens quand même à le dire une chose. C'est que je peux vous dire une chose, c'est que les banques, ils prêtent pas de l'argent quand ils croient pas qu'ils vont recevoir un retour sur leur investissement. Et l'entreprise et Ratemans Canada Limité a reçu un prêt quand même de 600 millions de dollars canadiens de part de la BMO. Fait que moi, je voudrais juste dire bravo parce que je pense que les banques croient en votre capacité à amener du rendement. Puis moi, pour l'avoir vu, tout, ça fait des années, là, ça va faire 7 ou 8 ans, je pense, qu'on travaille avec Ratemans. J'ai toujours été extrêmement impressionné par la machine de Ratemans, sa capacité à réinventer. Puis je serais curieux, je t'ai un peu posé la question l'autre fois, tu sais, j'ai l'impression aussi qu'une entreprise qui contrôle tout son produit, qui contrôle sa chaîne de valeur au complet de façon verticale, tu sais, qui vend son propre produit, a quand même un avantage à ce niveau-là. Est-ce que je me trompe? Mais je pense que encore une fois, tu sais, je veux pas dire de bêtises parce que c'est pas tellement le produit et pas nécessairement mon champ d'expertise, mais ce que je sais, c'est qu'évidemment, du coup, on est capable d'impacter le produit en fonction de qui on veut être. Tu sais, évidemment, je donne un exemple. Pour nous, la diversité, c'est important. Tu sais, nos produits, c'est du 0 à du 22. On fait jusqu'à du 3X. On a cette capacité-là parce que c'est nous qui décidons quel est notre range. C'est sûr qu'on peut développer ce qui est plus en alignement avec nos valeurs, avec ce qu'on veut être, des catégories de produits qui sont pertinentes pour nous, c'est évident. Ouais. Est-ce que il y a justement, on a des fans de la marque là, qui sont ici, là, d'ailleurs, tu vois, Dominique qui nous dit qu'elle adore la marque. Puis on a des gens qui sont tristes aussi. On a Hélène qui nous dit que pourquoi elle va fermer Time Maternité, justement, tu sais. Puis Hélène, juste pour être clair, là, Valérie, elle est chez Ratemans, elle travaille dans le même bureau, mais je veux dire, elle est pour la marque Ratemans et non pas pour le holding Ratemans, appelons ça comme ça. Mais est-ce que tu as un point à dire là-dessus ou tu préfères... Écoute, c'est compliqué pour moi, c'est pas moi qui ai participé à ces décisions. Ouais. Je sais que ça a été déchirant, peu importe quelle marque on a dû laisser aller, que ce soit Additional Time, ça a été excessivement déchirant, mais ça a été des décisions... qui ont été faites avec probablement les meilleures têtes qu'on a chez Ratemans Corporation. Fait que j'ai compris que c'était
La bonne décision, malgré que c'est crève-cœur pour tout le monde. On s'entend que quand tu as donné de l'amour à une marque, tu as bâti une marque comme ça pendant des années et des années, de la tuer comme ça, on s'entend là, que ça ne doit pas être un choix facile. C'est un choix qui requiert du courage puis qui fait qu'on est capable de peut-être... C'est ça qui va donner la légèreté à l'entreprise pour pouvoir se replacer, dans le fond. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de ça. Je suis certain que vous n'avez pas fait ça pour le plaisir. Non, c'est ça. Tu as parlé de diversité, tu as parlé de toutes ces tailles-là que vous êtes capable de faire, tu as parlé de, tu sais, parle-moi-en, parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on sent là, chez Ritmans. On sent, ben, déjà, vous avez une campagne qui s'appelle Diversity. Tu sais, est-ce qu'une campagne comme ça, c'est juste un truc, est-ce que c'est un petit, c'est comme, est-ce que c'est juste un maquillage temporaire que vous allez retirer dans 6 mois ou si c'est quelque chose qui a vraiment une profondeur, là, tu sais, dans le positionnement puis dans la place que la marque veut prendre? Écoute, on a repositionné la marque donc en 2018, quand je suis arrivée, sous la plateforme de marque Really You. Donc, c'était une évolution de la marque Ritmans. Donc, on voulait, c'est clair, s'approcher beaucoup plus de ce que la cliente, on s'est mis à étudier beaucoup plus la cliente, à essayer de comprendre ce qu'elle voulait. Donc, on voulait, encore une fois, le fait qu'on a un si gros reach, hein, 6 millions encore de clientes, ça c'est énorme. Fait qu'on se disait, OK, il faut pas que ce soit Ritmans qui dicte ce qu'elle doit porter, mais vraiment essayer d'être... On s'est mis dans une position où on était beaucoup plus receveur d'informations. D'empathie, là. D'empathie, de communication en deux sens. Ce que ça a amené... Ouais, Jean-Julien demande justement, c'est quoi, quelle place vous faites? Comment vous avez fait pour mesurer ça, finalement? Comment vous l'écoutez, justement, la cliente? Ben écoute, il y a toutes nos façons classiques, tu sais, on fait des sondages, on fait des analyses, chaque transaction amène un sondage qui nous permet de mesurer le Net Promoter Score avec différentes questions, on les sonde continuellement. Évidemment, on écoute beaucoup tout ce qui se passe sur les médias sociaux quand elles nous parlent, etc. Ce qui a été extraordinaire, c'est que à chaque fois qu'on a commencé, tu sais, dans le Really You, il y avait cette idée qu'on représentait toutes les femmes. Parce que il y a beaucoup, encore une fois, on a 6 millions de clients. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de barrières dans la mode. Par exemple, on met pas une femme avec des cheveux blancs qui est en train de faire du sport. On met pas, il y a beaucoup, beaucoup de barrières. Puis nous, on voulait laisser tomber. Mais qui a dit qu'on met pas ça? Qui a dit qu'on met pas ça? Ça fait partie, là, de plein d'idées préconçues, fausses, clairement fausses. Sur la marque et ce qui est sur la marque, sur la mode, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'à un moment donné on avait juste des mannequins qui faisaient des tailles zéro, c'est bon, tout ça. Donc on voulait libéraliser ça, démocratiser. Et à chaque fois qu'on est allé un tout petit peu plus loin, la première fois qu'on a mis dans nos vitrines une femme avec les cheveux blancs extraordinairement cool et très fun et d'autres personnes autour d'elle, ça a été le post le plus aimé et c'est encore, je pense, le plus adoré de nos clientes. Après, on est allé avec une mannequin avec laquelle on était absolument en amour, qui avait une prothèse à une jambe. Et quand on l'a mis, là, écoute, on a eu une tonne d'amour qui disait, enfin, moi, effectivement, je suis dans cette situation-là, je suis heureuse de voir. Et à chaque fois qu'on a poussé un petit peu plus loin, ça a été toujours là où on a reçu le plus de commentaires, le plus d'amour. Donc, ça nous a amené à réaliser qu'il fallait qu'on... Donc, l'engagement que vous avez eu sur vos plateformes sociales, c'est une des données notamment que vous avez considérées. Absolument. Puis, on a testé beaucoup et on s'est rendu compte qu'en fait, nos clientes avaient envie qu'on se positionne de manière beaucoup plus forte. Donc, je te dirais que ça a été une évolution parce qu'on a de la diversité dans tout ce qu'on fait au niveau de nos contenus depuis maintenant 3 ans. Mais on a pris un petit peu plus position là à l'automne et on veut continuer à prendre un petit peu plus position, qui est une des choses que Ritmans faisait peut-être pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'évolution. On avait envie d'amener un brin de révolution et tu sais d'aller plus haut puis plus fort. Mais en même temps, de ce que tu disais tantôt, tu disais que c'est une entreprise qui est fondamentalement dans la diversité de l'intérieur. Donc, ouais. Est-ce que c'était juste une façon de... Est-ce que finalement les codes de la mode ont tout simplement étouffé un peu ce que vous étiez réellement entre les murs du siège social? Absolument. Puis c'est pour ça qu'on est allé là avec Really You, parce que c'était vrai. Tu sais, je pense qu'en 2020 ou en 2018, tu peux pas raconter une histoire qui est pas véritablement vécue par tous les employés dans ton entreprise, surtout que tu sais avec un nombre de magasins, tu sais Ritmans, on a 275 magasins à travers le Canada.
je peux pas avoir des employés qui ne sont pas complètement immergés dans cette dans ces valeurs-là et amener une autre marque, en fait, ou une idée de marque. Donc, ça a été juste une façon de le montrer. Et puis, maintenant, je peux même te dire qu'on a passé un nouveau step. On a créé un poste d'exécutif en diversité et inclusion pour le groupe RCL qui va regarder aussi, tu sais, les façons dont on embauche. Parce que la diversité, c'est pas une finalité en soi, là. Je pense que être vraiment diverse et être vraiment inclusif, c'est surtout d'apprendre qu'on est absolument imparfait tout le temps et puis d'apprendre et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Et on le fait tous les jours. On essaie d'écouter le plus possible. Puis on admet en toute humilité que non, on n'est vraiment pas parfait. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient s'améliorer, mais c'est l'idée qu'on travaille autour de ça. Est-ce que c'est pas justement un peu la fin de la marque qui est préparée, disons en laboratoire, là, tu sais, qui est comme tellement surléchée et qu'après ça est lancée, puis on la pousse no matter what, tu sais, on rentre plus dans une culture d'essai-erreur et d'assumer un peu que ben ça sera ça, hein, puis on va faire des erreurs, puis c'est pas grave. Oui, absolument. Je pense que ça n'existe plus d'avoir des plans 5 ans, puis tu les as, puis tu bouges plus, puis tu connais ton image de marque, surtout. Je pense qu'il faut être capable d'être agile, se tromper vite, se relever, apprendre. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire dans les 3 dernières années, puis qu'on continue à faire. Le really you d'aujourd'hui n'est pas le really you d'il y a 3 ans, il ne sera pas le really you de dans 3 ans. Puis il faut admettre ça, puis vivre avec ça. Puis je pense que ça, c'est la réalité de notre époque, tu sais. C'est beau en même temps, là. C'est vraiment positif. Puis qu'est-ce que ça apporte d'autre, justement, cette diversité-là à l'intérieur, en l'intérieur, dans l'équipe? Tu sais, y a-t-il des choses que ça vient... tu sais, comment la marque se vit, dans le fond, des tripes, là, à l'interne? Écoute, je pense qu'à partir du moment où on a décidé de s'engager plus puis d'aller plus loin, on a créé beaucoup, beaucoup de fierté à l'interne. Tu sais, je peux te donner un exemple. L'année dernière, on a travaillé pour The International Day of a Girl. On a eu une jeune fille de 16 ans, je pense, 15 ou 16 ans, qui est venue prendre la place de Jackie pendant une journée. De démontrer, bon, mais tout est possible, même quand t'es une femme, tu sais, en 2019, à l'époque. C'était quoi le rôle de Jackie dans l'organisation? Présidente, excuse-moi. Non, c'est correct. C'est plus pour nos auditeurs là, que je demande des questions comme ça, que évidemment. Absolument. Moi, je fais comme si on était juste tous les deux. Ben, c'est ça, là. OK. Mais non, mais c'est parfait. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut. Donc, OK. Donc, une jeune fille de 15-16 ans qui est venue prendre le rôle de la présidente pendant une journée? Absolument. Et puis, elle a vraiment fait nos meetings. Elle a participé. Elle nous posait des questions, etc. Et les employés étaient tellement fiers de voir, tu sais, qu'on essayait des nouvelles choses, qu'on essayait d'être plus inclusif, de bouger un peu les standards, de donner la chance, de montrer que tout est possible. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté un peu de ça? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui est resté après ou pas tant? Ou? Ben, je pense que c'est vraiment l'attachement, parce que c'était comme notre première action qui était à l'interne et qui n'était pas nécessairement consumer facing, qui était vraiment à l'interne. Puis là, on dirait que d'un coup, les membres de notre équipe, mais il faudrait leur demander mieux, mais ont comme réalisé, ah ok, fait que c'est pas juste un truc marketing. On essaie vraiment de mettre de l'avant qui on est, puis ce qu'on vit tous les jours. Fait que c'est ça, je pense que ça a amené. Intéressant. Ben, je pense que c'est ça, des valeurs. À un moment donné, ça se vit, puis après ça, ça se sent. Une fois qu'on les vit, ça se sent à l'extérieur. Mais si les valeurs sont juste si c'est juste un cochon maquillé, finalement, ben ça rapidement on sent le. Puis je pense que, je sais pas, je te dis ça, là, c'est vraiment personnel ce que je veux dire, là, mais j'en ai rencontré des femmes qui travaillent chez Ritmans, puis je sais pas, il me semble qu'il doit avoir un confort beaucoup plus, tu sais, par rapport à la marque qui gère au quotidien, une fierté, que quand ils sont dans le surléché, dans les justement les mannequins taille zéro, ce genre de choses-là. Tu sais, il me semble qu'il doit avoir quelque chose de bizarre à un moment donné, là, d'être dans autant de fausseté, alors qu'on sait que la vraie cliente, elle ressemble, tu sais, les vraies clientes ne ressemblent pas à ça. Il n'y a pas justement quelque chose qui est plus vrai là-dedans. Oui, ben je ne sais pas ce que dirait celle qui ne travaille pas chez Ritmans, mais je peux te dire que nous, tu sais, on a décidé, de par exemple, de ne plus retoucher nos mannequins sur nos photos.
Ce qui est vraiment fantastique, c'est que je me rends compte que ça a fait tomber beaucoup de barrières, même à l'interne, puis nos conversations, puis on évolue. Tu sais, notre dernière campagne, on a eu, tu sais, des gens qui viennent d'origines culturelles différentes, des gens d'orientation sexuelle différente. Ça a créé des conversations aussi avec nous à l'interne. Donc, c'est plus que des campagnes marketing. C'est vraiment des choses dans lesquelles on se reconnaît. Fait que c'est sûr que on est tellement passionnés. Ça amène beaucoup de conversations passionnées. C'est absolument clair. Oui. Puis, parlons un peu de la fameuse pandémie. Là. Je veux dire, tu parlais de 275 magasins. C'est quand même énorme. Ça fait des loyers à payer, cette histoire-là. Comment ça s'est vécu la COVID dans cette réalité-là? C'est quoi le bilan que tu fais? Parce que là, vous êtes rouvert, je veux dire, là, c'est plus business as usual avec le petit push-push à l'entrée puis les mesures, là, mais je veux dire, au moins vous êtes ouvert. Mais c'est quoi le bilan que tu peux faire en date d'aujourd'hui avec ça? Ben écoute, je te ferai un bilan. Tu sais, je pense que si mes collègues VP étaient là, chacun de nous, on te ferait des bilans différents. Moi, je peux te faire un bilan de marque et de e-commerce. Ce que ça a vraiment changé, ça a fait tomber beaucoup de barrières. Donc, nous, on avait une grande partie de la population qui était des clientes magasins seulement, qui sont devenues des clientes omnichannel. Puis, en devenant des clientes omnichannel, ben c'est sûr qu'elles adoptent un comportement qui est différent, les transactions sont différentes, elles découvrent, et puis évidemment, une cliente qui va magasiner et sur le e-commerce et en magasin devient une cliente potentiellement beaucoup plus fidèle aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont tombées comme barrières du point de vue de la cliente. À l'interne, dans les... Donc, des clientes qui n'osaient pas acheter en ligne avant, puis que là, soudainement... Ou qui se disaient, ben moi, parce qu'à 275 magasins, c'est sûr que t'as toujours un magasin pas très loin de chez toi. Ouais, donc, ouais, ouais. Par habitude, aller plutôt dans les magasins. Elles ont découvert comme un autre réseau, un autre canal, pardon. D'un point de vue interne, ce que je trouve vraiment génial, c'est aussi que ça nous a permis de repenser le rôle du magasin. Et tu vois, on vient de lancer, là, il y a une semaine et quelques, on faisait beaucoup de rendez-vous de stylistes. On invitait les clientes à prendre des rendez-vous avec des stylistes en magasin, des one-on-one. OK. Parce que nos clientes aiment beaucoup le service, évidemment. Ça, c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup. Puis là, dernièrement, on vient de commencer que maintenant, tu peux prendre des rendez-vous en ligne et les gens qui répondent, ce sont des gens qui sont en magasin et ça contribue aux ventes en e-commerce. Donc, un genre de rendez-vous comme on fait maintenant, mais on parlerait de mon style vestimentaire, par exemple. Exactement. Sauf que toi, tu es un employé de magasin et dans le fond, tu vas aider à faire des ventes en e-commerce. Fait que là, donc, on est loin de la chicane entre les channels puis de « Ah, le web me vole ma commission » ou ce genre de choses-là. Là, on n'est vraiment pas là. Absolument. Je pense que ça aussi, tu sais, ça a accéléré cette réflexion-là sur le rôle du magasin, le rôle de notre business, comment est-ce qu'on va se développer. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pensait qu'elle allait arriver dans 10 ans, puis c'est arrivé en 3 mois. Tu sais, que va devenir le magasin demain? Est-ce que ça va devenir... Je sais que longtemps, on disait que les magasins allaient devenir expérientiels. Ouais. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos magasins sont vraiment, au contraire, finalement, des sortes de hubs qui aident et contribuent au e-commerce parce que nos magasins sont aussi des endroits où on ship, d'où on ship les commandes e-commerce. Donc, les commandes ne sont pas shippées du siège social, elles sont shippées des magasins. En fait, il y a une portion qui est shippée des centres de distribution, une portion qui est shippée des magasins. Plus proche. Donc, ça devient des hubs de shipping, ça devient aussi des hubs de retour parce que tu reçois les retours des gens qui sont en e-commerce avec notre programme qui s'appelle la conciergerie où tu peux avoir des rendez-vous. Le magasin devient aussi un service qui peut supporter des clients qui sont en ligne. Ouais. Ça ouvre complètement les barrières. C'est vraiment... Puis Valérie, c'est-tu vrai ça que quand les clientes ils viennent reporter quelque chose, ils achètent plus après? C'est-tu vrai ou c'est comme de la bullshit de conférence cette affaire-là? Écoute, c'est des grands débats parce que moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment vu ça. Quand tu viens faire un retour, tu viens faire un retour et tu pars. Mais je sais que j'ai certaines de mes collègues qui sont arrivées à faire du upsell, tu sais, sur des catégories. Alors, est-ce que c'est vrai pour certaines catégories de produits versus d'autres? Est-ce que c'est vrai peut-être plus pour du high-end versus du mass? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas.
Moi, personnellement, ce que je vois, c'est pas une fois que tu viens pour te faire un retour, tu viens déposer and then you go. Donc, quand tu vois tes chiffres, là, un retour, ça donne un retour. Ça donne pas un retour puis une transaction plus grande. Malheureusement, pas pour l'instant. mais en même temps, tu sais, je pense qu'il faut le voir à plus long terme dans le sens où, je sais pas toi, là, mais moi, quand je vais rapporter quelque chose dans un magasin, parce que ça arrive à tout le monde, et que là, ça se passe mal, on dirait que c'est un endroit où je ne retournerai pas après. Puis quand au contraire, ça se passe bien, puis je sens que je me sens pas jugé, puis je sens qu'on me sert aussi bien que si je faisais un nouvel achat. Au contraire, c'est un endroit où je vais être plus confiant d'aller magasiner après parce que justement, je sens que je sais que je serai pas, que le magasin va être là pour moi s'il y a un problème. C'est un des facteurs de loyauté qu'on oublie souvent. Là. Tu sais, nous, souvent, les marques, on met tous nos efforts avant l'achat, puis après, on oublie. Mais le service est crucial. Quand tu retournes, si ça se passe en quelques secondes, tu te dis, bon, mais pas de problème, ma prochaine commande, j'aurai pas de problème anyway. Mais si c'est compliqué, qu'il faut que tu fasses un line-up, qu'il va falloir que tu donnes des raisons, ça fait partie des numéros un, là, des problématiques en e-com pour certaines marques. Là. C'est clair. Mais surtout quand ça fait plus de, quand ça va faire pas loin de 100 ans que tu existes, là, faut que tu penses un peu à demain, là, sinon, je veux dire. Il y a une question fleuve ici, mais en gros, ce qu'elle veut dire, j'ai réussi à la décortiquer là, pendant que tu étais là, c'est mon collègue Simon Étier qui nous pose une question. En gros, ce qu'il dit, écoute, la question est tellement grosse qu'elle nous cache la face, imagine-toi donc. je peux me cacher en dessous de la question. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est est-ce que les marques qui contrôlent, sont verticalement intégrées, qui vendent juste leur propre marque, sont plus à risque quand il arrive des choses comme ça versus des retailers qui vendent des marques connues? Qui peuvent s'accrocher après la notoriété des marques connues? Je pense que la problématique, c'est que quand tu vends ta marque, tu es responsable à 100% de créer la notoriété de ta marque, la considération pour la marque, ouais. Le call to action, fait que tout le funnel, le client, c'est toi qui en es responsable. Donc, tu sais, pour avoir travaillé dans des consumer packaged goods, dans des industries d'alimentation, oui, tu es juste responsable de développer une belle publicité à la télé et puis après, tu n'es plus responsable de rien. Le trafic en magasin, c'est Métro qui s'en occupe, c'est IGA. Nous, on a toute cette responsabilité-là. Fait que c'est sûr que ça nous donne beaucoup de possibilités, mais ça nous donne beaucoup de défis aussi. De responsabilités. Vous êtes maître de votre destin, mais ça vient avec les responsabilités. Absolument. C'est sûr que moi, si tu sais, je me rappelle quand je suis passée de l'alimentation au retail, j'en revenais pas. J'étais comme, OK, je peux faire la PLV que je veux, c'est la signalétique que je veux en magasin. J'ai pas besoin de demander l'avis ou l'autorisation par le détaillant. Je trouvais ça extraordinaire. Fait que oui, je peux faire quelque chose demain pour mon magasin, changer la promotion sans demander l'autorisation de personne. On est complètement, mais en même temps, il faut que ça drive du trafic. Je peux pas m'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse une promotion pour moi, c'est clair. Puis, on peut-tu dire les vraies affaires? Ça vous donne aussi de la... Votre marge, elle doit être plus élevée aussi. Je veux dire, ça vous donne aussi une récompense financière de vous donner ce trouble-là. Est-ce que c'est... Je sais pas, parce que ça vient aussi avec beaucoup de frais, hein? C'est sûr. D'accord. tu disais que... Tu m'avais, je sais plus si tu l'as dit tantôt ou la dernière fois qu'on s'est parlé, mais tu disais que il y a eu la COVID amène de donner beaucoup d'indulgence. Les consommateurs sont plus indulgents envers les marques, on dirait. Et tu disais que ça avait eu un lien, une capacité à, ça vous avait un peu donné de la confiance à essayer plus de choses. Je pense que quand tu restes dans une démarche d'humilité puis tu dis, bon, écoutez, c'est peut-être pas parfait, mais au moins, on vous donne un service. Je pense que les clientes sont prêtes à prendre ça. Il faut pas que ça devienne, tu sais, parce que tant que ça devient une démarche de test, je pense que les clientes sont très ouvertes à ça. En fait, la réalité, c'est que les clientes sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le pense, là. Je pense qu'on s'empêche beaucoup de choses en disant « Ah, ma cliente va payer ça, qu'est-ce qu'elle va penser? » Je pense que la démarche, c'est juste de honnêtement dire « Écoutez, on sait qu'on n'est pas parfait, on essaie. D'assumer les erreurs puis de passer à autre chose, tout simplement. Puis dire « Écoutez, oui, on n'est pas parfait. Bon, ouais, là, on s'est trompé, mais j'écoute ce que tu dis puis je vais prendre action. » Je comprends. Puis, moi, je... Une autre chose que je trouve vraiment excitante avec Ritmans, puis pourquoi je trouve qu'il mérite d'être mis sous la lumière,
C'est, je pense que Ritmans est une des entreprises qui est particulièrement forte en e-com versus d'autres de son secteur. Je serais curieux que tu nous parles un peu de comment ça vous a aidé à travers la pandémie à garder la business en santé ou à quel point ça vous a aidé ou est-ce que tu peux nous partager un peu là-dessus? Écoute, je pourrais pas partager... Non, pas nécessairement de chiffres, mais je veux dire... Est-ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que nous, on était, c'est pas quelque chose de nouveau dans notre démarche. Fait que on savait, on connaissait dans l'exécution, les équipes sont en place, que ce soit d'un point de vue vraiment pur e-com, produits, médias, donc tout cet écosystème-là existait. Ce qui fait que quand on a, puis tu l'as dit un peu au début, tu sais, Ritmans, c'est une compagnie sérieuse avec des processus très très bien mis en place. Donc quand les magasins ont fermé puis que tout notre business a shifté sur le e-com, on était prêts. C'est sûr qu'on a fait des journées beaucoup plus grosses que ce que on n'avait jamais fait, mais on était prêts. On était prêts à shipper. On était parce que nos magasins déjà commençaient à shipper directement aux consommateurs. Fait, tout était déjà en place. Fait que c'est sûr que là, on a comme accéléré et multiplié le volume, mais on était déjà très bien. Votre machine était déjà prête là. Vous n'avez pas eu besoin de refaire la business pour pouvoir y arriver. Non, exactement. Fait qu'on s'est adapté, mais puis aussi, comme tu disais, tu sais, on est une machine, on essaie d'être le plus agile possible. Fait que ça aussi, tu sais, on l'a vu, nous, de notre côté, plus au niveau de la communication, les produits, tu sais. Évidemment, avec le COVID, tu sais, si tu poussais des vêtements qui étaient beaucoup plus workwear, appropriés pour le travail, mais là, ça devenait beaucoup moins pertinent. On a été capable très rapidement quand même de se réadapter, de se réaligner, de retravailler nos priorités, retravailler nos messages. Les équipes d'achat ont fait un travail extraordinaire à tout retravailler très rapidement. Donc, est-ce que vous avez vendu plus de haut que de bas pendant les derniers mois? Oui, c'est clair. Pour vrai? Oh, oui, puis... T'es-tu sérieuse? OK, c'est drôle, ça. Les pantalons, puis tout ça, ça a été plus difficile. On a beaucoup vendu, beaucoup plus de produits... aussi plus casual, dans le fond. Tu sais, toute notre marque de sport, IBA, tu sais, a pris un envol extraordinaire. Là. Donc, ouais, c'est sûr que fait que toute cette capacité-là à s'adapter, à être pertinent, à mesurer, parce que notre machine d'e-commerce, elle fonctionnait bien. Là, dès qu'on a commencé à sentir qu'il y avait un changement, vite, on s'est adapté. Mais tout ça parce que la base était super solide. Et parce que vous êtes intégré, vous êtes capable de... Vous n'avez pas des stocks que vous avez achetés de d'autres personnes. Vous pouvez modifier la production. Est-ce que ça... À quel point vous pouvez modifier la production, justement? C'est quoi? On parle de mois, de semaines, de... Écoute, je ne sais pas. Faudrait qu'on fasse un apéro, soit avec ma collègue qui est VP Merchandising. Je sais qu'ils ont fait un travail extraordinaire pour se revirer le plus possible, le plus vite. Okay. Ils ont été capables, d'autres moins, mais... Ah, ils devaient avoir un méchant casse-tête à gérer, eux autres. Là. Les pauvres, ils ont pas beaucoup... Parce que vous autres, là, dans le fond, dans le domaine du fashion, vous sortez la collection, par exemple, la collection automne, vous la sortez pendant l'été, dans le fond. Et ouais. Donc, vous l'avez pensé et commandé et peut-être au printemps, dans le fond? À peu près un an à l'avance. À peu près un an à l'avance. Mais là... Pendant la période là, du printemps, de la COVID, là, le core de la COVID, appelons ça de même, il y a des vêtements que vous n'avez pas vendus pendant cette période-là, j'imagine. Mm-hmm. Comment ça marche, ça? C'est l'année prochaine, vous allez les réintégrer dans des futures collections? Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que tu sais? Ben écoute, c'est tout des travails aussi de promotion et... Encore une fois, nous, on a le produit, tu sais, on a un produit très plus casual, tu sais, j'ai certaines de mes... De mes collègues dans d'autres marques, tu sais, à Montréal, qui avaient peut-être plus de difficultés parce qu'ils avaient vraiment un stock très, très, pour le travail. Nous, on a quand même une identité plus relaxe. Donc, un petit peu plus intemporelle, peut-être, là. Certaines pièces un peu plus intemporelles. Exactement, puis tu sais, on est moins sur le suit et tu sais, sur vraiment okay. les de travail. Donc, on n'a pas eu, enfin, c'est sûr qu'il y a eu des produits qui se sont moins bien vendus, puis c'est un travail de promotion. Mais encore une fois, je pense que tous les départements, on a vraiment travaillé à essayer d'être le plus flexible. On est tous sortis hors de nos zones de confort, à bypasser les processus, mais parce que nos processus, à la base, sont hyper solides. Donc, c'est ça qui nous a permis de nous retourner vraiment, vraiment facilement. Puis, j'ai l'impression aussi que, tu sais, tu nous parlais tantôt que tu es capable, avec un email, de rejoindre le tiers des Canadiennes, finalement, en âge de faire des achats. Là. C'est pour ça. C'est quand même une force incroyable. Je veux dire,
cette force-là en e-com que vous avez, c'est pas juste le pourcentage de vos ventes qui sont faites en e-com, c'est aussi tous ces actifs-là que vous avez développés avec le temps en étant un petit peu plus, en ayant misé un peu plus sur le e-com d'avant, vous étiez plus prêt, notamment à cause de votre capacité à rejoindre et à parler aux vos clientes. Ouais, absolument. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, je pense pas qu'on est les meilleurs dans tout ce qu'on fait au niveau de nos emails. Il y a plein de choses à s'améliorer, à raffiner, mais c'est clair que la base est là. Tu sais, on a un reach incroyable, ce qui me ramène un peu à notre première conversation. En même temps, ça vient, on le sent très fort avec une certaine responsabilité, tu sais. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que dans nos messages, on essaie d'être le plus empathique possible aussi avec ce que les gens vivaient avec COVID. On essaie d'être le plus proche de la réalité. C'est important, ça fait partie de qui on est vraiment, là. Il y a mon collègue Simon qui est revenu à la charge et qui s'est forcé pour faire une question d'une longueur vraiment très acceptable ici. Et je trouve que ça vient un peu avec le lien des courriels, là. Est-ce que le COVID force à revoir un peu la place du centre d'achat comme source de trafic? Tu sais, un peu le côté dépendance au trafic du centre d'achat. Est-ce que tu sens que justement tous ces efforts-là, ça vous aide à peut-être avoir moins cette dépendance-là ou ça fait encore... Ou c'est encore un gros morceau dans l'écosystème, là, le walk-in traffic du centre d'achat? Mais c'est sûr que, tu sais, la règle un petit peu au niveau du retail, c'était que quand tu installais un magasin dans un power center où tu étais responsable de ta porte, là, vraiment, dans le fond, tu payais moins de loyer, mais aussi c'était à toi à driver du trafic à ce magasin-là. Versus dans un centre d'achat, tu payais plus de loyer, mais évidemment, tu avais le trafic du centre d'achat. Mais de toute façon, la place du magasin est toute remise en question. Tu sais, puis ça, c'est depuis des années. Je pense que les centres d'achat, ils essaient de se réinventer eux aussi. Aussi, on parlait d'expérientiel, puis tu sais, d'amener des food courts qui sont plus élevés, qui amènent une plus grande valeur ajoutée. Tu sais, tout le monde est on est tous en re-questionnement, mais c'est sûr que le e-commerce amène une réalité vraiment différente. Moi, depuis mon évolution, mon travail dans le retail, dans le commerce de détail, aussi, tu sais, je me suis rendu compte maintenant, là, puis c'est important de le garder en tête, là, il y a 95% des gens vont dans un centre d'achat puis ils ont une à trois marques en tête. Puis 98% achètent dans ces une à trois marques. Fait que le rôle du commerce de détail, du mall, il a changé aussi parce que tu te promènes plus en te disant « Ah, je vais être attiré par une nouvelle vitrine ou je vais découvrir un magasin. » Ça n'existe plus, là. Tu pré-shoppes en ligne, tu t'en vas dans un centre d'achat, tu te gares à côté de la porte. Exactement. Je suis allé au Rockland en fin de semaine, je suis allé à la bonne porte directement. J'ai même cherché sur Internet pour savoir c'était quelle la bonne porte. Exactement. Et donc, tu te rends directement. Tu passes pas du temps à flâner. Donc, c'est des belles transformations parce donc, que ça... Donc, il faut, dans le fond, ce qui est la conclusion, c'est qu'il faut redevenir un peu plus maître de son trafic, là. Son achalandage, c'est entre les mains de la marque, là, finalement. On peut pas s'appuyer sur... totalement, en tout cas, s'appuyer sur un centre d'achat pour faire ça, là. Non, puis, tu sais, comment est-ce que tu drives de plus en plus d'acquisitions sur ton site, tu sais, plus online, puis après, quitte à ce que... Après, elle ira en magasin, probablement, peut-être, mais c'est toutes des questions... auxquels on va faire face dans les années à venir. Bon, parlant de ça, là, on a gagné un prix ensemble. On a gagné un prix ensemble parce qu'on a fait, on a essayé une technologie de mon ami Guillaume Bouchard, Contextful. On a essayé ça, on a travaillé ça ensemble. Et je pense que pour expliquer un peu à ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie qui mise sur la réceptivité. Donc, ça veut dire qu'on pense à la réceptivité de quelqu'un à recevoir un message. Donc, autrement dit... Vous êtes capable de rejoindre le tiers des Canadiennes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement, les Canadiennes vont avoir le goût de lire le message que vous leur envoyez. Mais si on travaille, et le projet qu'on a fait avec Contextful, justement, c'est là-dessus que ça mise, c'est sur le fait que si on parle à quelqu'un dans un moment où il est réceptif, on a beaucoup plus de chances, on a une plus forte propension à faire le client va avoir une plus grande propension à répondre positivement à notre message. Ouais. Comment tu vois ça, toi, ce genre d'innovation test? T'sais, on a gagné un prix, c'est le fun, là, mais le vrai prix, c'est quand ça marche puis que ça fait sonner la caisse là, chez vous. Moi, c'est toujours ça que je disais à mes employés qui veulent gagner des prix. comment tu l'avais vu de votre côté? Ben, c'est sûr que ça a augmenté notre retour sur investissement. Là. Fait que ça, c'est clair que la caisse a sonné, comme tu dis. Donc, on a gagné deux prix, là, finalement. on a gagné en efficacité, c'est clair.
parce qu'évidemment, tu es là au moment où vraiment la cliente regarde sa publicité. Ça, c'est fantastique. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup, moi, de cette technologie-là, c'est l'aspect, tu sais, si je me mets dans la tête de mes clients, c'est aussi le principe d'être là au bon endroit, au bon moment. Encore une fois, c'est au lieu de polluer, dans le fond, ce que tu es en train de faire, à essayer de te pousser absolument mon message, ma bannière, parce que là, je veux que tu achètes tel type de pantalon. Eh bien là, dans le fond, tu sais, je suis là au moment où tu es prête à recevoir un message. Donc, je trouve que c'est win-win pour moi. J'ai beaucoup aimé, très contente d'avoir gagné ce prix avec vous. Ben, moi aussi. Merci d'ailleurs. On aime beaucoup parce que justement, on sait qu'avec Reitmans, on va toujours pouvoir avoir l'ouverture d'essayer des choses. Puis je pense que c'est une de vos forces, c'est de pas avoir peur, de tout le temps essayer des choses. Et ça, je te lève mon chapeau là-dessus. Parlant d'essayer des choses et de faire des tactiques de commercialisation, il y a un grand rendez-vous de consommation qui s'en vient, là, le Black Friday. Vous êtes des pros du Black Friday chez Reitmans, tant qu'à moi. Là, vous êtes rodés. Parle-nous un peu de comment ça se déroule là, à l'interne, le Black Friday. Comment tu vois ça? Comment tu appréhendes ça? Écoute, le Black Friday, puis j'adorerais ça que mon équipe soit avec moi parce que c'est vraiment eux qui font rouler ça et qui font que c'est un succès à chaque année. C'est une machine de précision, là. C'est extraordinaire. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est pas une période dans laquelle tu innoves, t'essayes des choses. C'est vraiment une période d'excellence de l'exécution. Opérationnel, vraiment, là. C'est de l'exécution. Opérationnel et le diable est dans les détails. Donc, c'est vraiment mesurer nos post-mortem et nos planifications pour Black Friday prennent des heures. On s'attarde à chaque résultat de chaque email, à chaque résultat de chaque bannière, les messages, les couleurs, le placement sur le site, tout, vraiment, le diable est dans les détails et c'est vraiment une machine rodée extraordinaire. Mais, tu sais, j'ai vraiment une équipe fantastique là, qui, c'est pas leur premier rodéo non plus, aussi, ils savent. Puis, quand ça part, là, tout le monde est comme, bon, on sait qu'on va avoir des cernes sous les yeux à la fin de Black Friday, mais c'est une machine qui roule. Fait que c'est vraiment... c'est ça, c'est la mise à l'épreuve de tout ce dont on parle depuis le début, ces processus-là en place, cette capacité d'analyser continuellement, de se baser sur les chiffres, prendre des décisions. Donc on mise sur des façons de faire qui ont fait leur preuve, des Absolument. Tactiques qui fonctionnent. Absolument. On n'essaie pas de refaire la roue puis d'innover. Là, c'est pas un bon moment, c'est le moment d'être au taquet. Puis, OK. Puis comment on fait pour savoir, puis... Tu sais, je le sais, là, puis on travaille ça ensemble depuis des années, puis je pense qu'on est rodés aussi ensemble à travailler là-dessus, là, nos deux équipes. Mais comment, tu sais, pour les bénéfices des gens qui nous écoutent, comment on fait pour parler aux bonnes personnes dans un contexte où le média est beaucoup plus cher, dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps, dans un contexte où le client fait beaucoup de choix très rapidement? C'est quoi les grandes tactiques qu'on peut dire, là, aujourd'hui? Mais tu sais, c'est la data, là, hein? C'est-à-dire se baser sur des audiences qui marchent, des audiences qui fonctionnent, des messages qui fonctionnent pour l'audience en question. C'est vraiment, effectivement, en plus, tu sais, je travaille avec ton équipe beaucoup, là, c'est de s'assurer qu'on est à la bonne place, aux bonnes personnes, parce que le Black Friday, c'est rarement une période où tu découvres une marque. Hein? Tu vas pas essayer pour la première fois de ta vie, tiens, je vais essayer cette marque-là parce qu'elle est en promotion. C'est pas une période où on est beaucoup dans l'inspiration, on est très lower funnel, on est beaucoup dans la conversion. Donc tu t'en vas vers des marques que tu connais déjà. Donc c'est travailler avec des audiences, on construit nos audiences avant Black Friday. Comme si le consommateur avait une wish list en tête, puis là il voulait juste vérifier où est-ce qu'il tire sur la gâchette parce qu'il y a le bon deal. Tout à fait. Puis, tu sais, toutes les marques, on joue sur le sens de l'urgence. C'est 4 heures, tel deal. C'est avant midi. C'est de tel. Donc, c'est clair que le client, il a déjà, tu sais, il sait déjà quelles sont les marques. La majorité des gens pré-shop font des paniers. Ils savent déjà, puis ils attendent. OK, je reçois le email. Boum. J'y vais. Je fais ma commande. Et pareil pour le média. Donc, Donc, le Black Friday, là, il faut le préparer d'un point de vue de accumulation d'intelligence, il faut le préparer 1 mois, 2 mois d'avance. On le prépare 1 an à l'avance. Parce que un an d'avance. Mais pourquoi? Parce que la clé est dans le post-mortem.
T'sais, là, moi, le Black Friday, ça y est, là, t'sais, tous tes assets sont faits. Il est prêt depuis un bout, là. Là, on est prêt. Et là, tu liras pas notre article de blog sur comment préparer son Black Friday là, la semaine prochaine. Mais pour l'année prochaine. Non, c'est une joke. On lance bien avant ça dans cette blague. Non, mais c'est parce qu'on a des clients qui nous appellent. Hein. Je nommerai pas de nom, mais on a un client qui nous a appelé hier pour mettre en ligne des campagnes le 18 novembre. On a dit comme non. Mais ça, moi, c'est chapeau à mon équipe, je dois te dire. Là. Parce que toutes les choses sont prêtes et puis on travaille avec des plans A, des plans B, des plans C. T'sais, c'est vraiment... Dans le fond, si vous avez des offres préparées, vous avez des messages préparés, vous avez des créatifs préparés, et là, le plan B, c'est tout cet amalgame-là qui sort. Si le plan B est déclenché, ben là, on sort ces créatifs-là, on sort cette offre-là. Tout à fait. Puis, tu sais, ton équipe aussi, pour le média, c'est la même chose. T'sais, toutes les équipes sont comme sur le qui-vive. Dans le fond, ce qui se passe dans Black Friday, c'est que là, tout est prêt. On a essayé de penser à toutes les éventualités. Et là, on regarde, à l'heure, à la minute. OK, là, on devrait être à tel endroit. Oh, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un plan B qui part? C'est ça, là. Tu sais, on essaie d'être... Concrètement, ça a l'air d'un war room un peu là, chez vous. Là. C'est quoi? Vous êtes assis toute la journée dans la même pièce, puis vous regardez sur des dashboards. Vous avez un mur d'écran, là, puis vous regardez des dashboards toute la journée? Ou comment quoi ça ressemble? Là, cette année, je ne sais pas. On va regarder chacun chez soi avec un café. Mais oui, c'est ça. Puis, vous n'irez pas au bureau pour le Black Friday non plus? Non, je pense non? pas. D'accord. Mais tu sais, je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'équipes aussi qui s'en vont. Le Black Friday, pour nous, c'est des moments où on va dans le marché. On va voir ce que les autres font parce que c'est à ce moment-là que, oh, OK, lui, il a fait ça, c'est génial. Voilà une nouvelle idée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre, on peut adapter? On va prendre un an pour tester, tu sais, est-ce que ça ferait une différence pour savoir si on va l'adopter ou pas pour Black Friday? C'est définitivement, tu connais mon directeur e-commerce, bien. Salut Marc. Il est sur les analytics continuellement, puis il regarde, OK, oh, là, on est moins qu'on devrait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Fait que c'est ça, ouais. Intéressant. Ben, vous avez de l'expérience là-dedans. Franchement, vous êtes dans nos clients qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est un bonheur. On apprend aussi de nos clients. Hein. C'est fou dans ces périodes-là. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est vraiment d'avoir la maîtrise de ces données. C'est de savoir c'est quoi les données qui sont importantes de comprendre. Je serais curieux de savoir c'est quoi l'importance chez Ritmans de justement des données. Comment vous gérez ça? Comment vous investissez là-dedans? Les humains, y a-t-il beaucoup d'humains qui sont dédiés à ça? Encore là, je connais les réponses, mais j'aimerais ça t'en entendre parler. Tu sais, comment tu penses qu'une entreprise, une marque de retail moderne, quelle importance ça devrait accorder aux données, à la capture de ces données-là, à l'organisation de ces données-là, au déploiement de ces données-là, à ce cycle-là, là, qui on capture des données, on les remet dans nos programmes de données. Comment c'est quoi là, qu'il faut le bon niveau à mettre? Est-ce que chez vous, t'aimerais-tu aller encore plus loin? Parle-nous un peu de ça. Écoute, c'est sûr qu'on a beaucoup de données. J'ai des fois été dans des organisations où tu as trop de données. Fait qu'il faut savoir aussi que chaque donnée doit être pertinente puis doit te permettre de prendre une action. Doit avoir un rôle à jouer dans le rythme. Ah oui, parce que on peut se noyer dans les données. Tu sais, ouais. Une formation en mathématiques. Toi, c'est ça? Ben, j'ai fait marketing, mais tu sais, j'ai eu une maîtrise en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Fait que moi, les data. Ah, Encore une autre affaire. T'es trop parfaite, là. C'est fatigant, là, tout ça, là. Je suis vraiment heureuse d'être parfaite. Mon mari pourrait te le dire. mais tu sais, les data, là, je connais ça puis j'aime ça. Mais je sais aussi à quel point tu peux dire n'importe quoi avec des data. Tu peux te perdre dans l'analyse et dans la suranalyse. Donc, je pense qu'on a beaucoup de données qui nous permettent d'avancer chez Ritmans. Je suis vraiment heureuse parce qu'on a maintenant, tu sais, dans nos projets à venir pour l'année à venir aussi, on va aller plus loin, on va organiser mieux, on va connecter beaucoup de data. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis de toute façon, en 2020, ce qui était bon il y a 3 ans, l'est plus nécessairement. Fait que, tu sais, on va pouvoir évoluer. Mais c'est crucial, là. C'est clair. Dans le fond, est-ce que tu as l'impression que t'en as un bon niveau, tu sais, en ce moment? Est-ce que t'en as déjà eu t'es-tu dans une organisation en ce moment qui valorise assez les données, tu penses? Oui, absolument. Tout à fait. Je pense que là, en fait, parce qu'on valorise, je pense qu'on a un très bon niveau d'information qui nous permet d'en savoir plus, puis d'aller plus loin, puis de prendre des bonnes décisions.
Mais là, je pense que quand, tu sais, c'est comme tout. Je pense que quand tu commences à savoir, tu réalises que tu sais pas assez. Fait que là, je pense qu'on vient de mettre le doigt sur, on a envie d'en savoir plus sur notre cliente encore. On a envie de connecter des data ensemble. Donc, on a envie d'aller un step plus loin. Puis, ça, c'est dans les prochaines semaines, mois. Fait que c'est des projets excitants. Je reviens un peu dans les magasins. Il y a une question que je trouve super intéressante que je viens de voir, là, mon collègue Nicolas qui demande, avec la fermeture des magasins, avez-vous noté une augmentation des retours e-com? Puis à quel point ces retours-là affectent éventuellement votre marge de profit? Je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas des fois. Je sais que chez certaines compagnies où tu as déjà travaillé, il y avait le niveau de retour était quand même un problème là, au niveau des marges, au niveau du channel e-com. Est-ce que c'est le cas ou ça n'a pas augmenté beaucoup? Les niveaux de retour n'ont pas augmenté avec COVID. Non, ben c'est sûr qu'on fait plus de... C'est en proportion, on fait plus de business avec e-com. Mais je pense que... Donc, la proportion de retour, peu importe le channel, c'est pas modifié. Non, n'a pas changé. Mais je pense que c'est un faux débat, ça, le retour. Parce que souvent, les gens commandent plus en e-com aussi parce qu'ils vont commander deux tailles. Donc des fois quand tu améliores aussi la façon dont tu mets en marché, tu sais, on est aussi des fois les créateurs de nos propres retours. Passer le travail en amont sur l'aide à la sélection, l'aide à la décision, par exemple. Exactement. Donc, tu sais, je pense que le retour fait partie de nos écosystèmes, puis relié à ce qu'on disait tantôt. Je pense qu'il faut pas essayer de se battre contre ça, parce que se battre contre ça, c'est complètement anti-consommateur. Enfin, si elle est pas satisfaite avec son achat, c'est correct qu'elle fasse un retour. Et on devrait l'accueillir avec le plus grand sourire et dire, bon, mais expliquez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose pour essayer d'apprendre de ça? Faut pas essayer de se battre contre ça, tu sais. Je comprends. On a ici Ilham, mon ami Ilham, qui nous dit que Valérie est excellente en yoga aussi. Donc, tu vois, on a même des clientes de yoga satisfaites là ici dans le channel. Donc, c'est assez impressionnant. Écoute, j'ai presque bu une demi-bouteille de champagne moi, pendant cet apéro-là. Puis on est presque terminé. J'aimerais ça qu'un mot de la fin, Valérie. Qu'est-ce qui s'en vient pour Reitman? C'est quoi qui t'excite dans le futur de la marque dans les prochains mois? Là, peux-tu nous partager quelque chose sur ta vision ou quelque chose qui est excitant là, qui s'en vient là? Ouais, moi je trouve que ben tu sais c'est sûr que là notre implication au niveau de la diversité continue. Notre campagne du mois d'août a vraiment amené des belles conversations avec nos clientes. On va en répéter une l'année prochaine sous un autre format, mais avec l'idée que toujours cette idée d'inclusion puis de diversité. Donc on continue dans ce message là parce qu'on est vraiment porté par nos clientes. Puis ça fait partie des choses qu'on veut faire et continuer à être cette marque qui fait une différence. C'est important. On va avoir bientôt 100 ans. Donc, ben oui, c'est ça. Là, il va bien arriver quelque chose pour ça. Il faut laisser un héritage qui compte. Il y a aussi beaucoup de produits extraordinaires qui s'en viennent. Notre marque Iba est de l'avant et va être de l'avant comme jamais. On a des belles collaborations à venir. Puis notre expérience, encore une fois, avec le e-com qui se démocratise, le magasin. Il y a plein de choses super intéressantes. Excellent. Venez nous voir. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on va aller vous voir. Écoute, Valérie, je vais prendre un rendez-vous avec une styliste, je pense. Vous avez des grandes tailles, donc je devrais être correct. Merci, Valérie, d'avoir été là. C'était super intéressant. J'espère que tu as apprécié aussi. Puis c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et on se croise très, très bientôt pour la folie du Black Friday, notamment. Certain. Merci à toi. C'est vraiment une magnifique opportunité, cette rencontre. Merci. À bientôt, Valérie. Cheers. Salut. Salut tout le monde. Bye. Bye-bye.